Mesdames et messieurs, nous allons observer une minute de silence à la mémoire de tous les combattants. Lecture du message de Patricia Mirales, secrétaire d'État auprès du ministère des Armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire, par Émy Vabois et Léa Frédéric, élèves de seconde, lycée Saint-Exupéry. La nouvelle de la victoire se répand à la volée dans tout le pays, de clocher en clocher. L'écho du clairon vient d'annoncer la fin d'un conflit qui a éprouvé le monde et décimé les hommes. La fureur du canon s'est enfin tue, couverte par un immense éclat de joie. 11 novembre 1918, il est 11 heures, c'est l'armistice. Pour des millions de soldats venus du monde entier, c'est la fin de 4 terribles années de combat. Le soulagement est immense. La guerre est finie, mais pour les survivants commence un funeste décompte, celui d'1 400 000 soldats français tombés au champ d'honneur, de 4 millions de nos militaires blessés ou mutilés, ces braves aux gueules cassées qui plongent la nation entière dans l'effroi et l'émotion. Le traumatisme est mondial. En tout, ce sont près de 10 millions de soldats qui ont été tués, 3 millions de veuves et 6 millions d'orphelins. Les morts sont presque aussi nombreux parmi les civils. Ceux qui sont revenus des combats racontent la puanteur des tranchées et le fracas des obus. Ils expliquent la peur avant les charges, le courage qu'il faut pour sortir des abris et donner l'assaut aux lignes ennemies sous la mitraille. Ils disent l'horreur du spectacle de leurs frères d'armes qui tombent à leur côté. Souvenons-nous de leur bravoure et de leur sacrifice. Commémorons ces soldats dont les noms doivent rester gravés dans nos mémoires, comme ils le sont sur nos monuments aux morts, dans les villes et les villages de France, dans l'Hexagone comme dans les Outre-mer. Souvenons-nous des soldats venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, de ces soldats alliés venus verser leur sang pour la France et défendre avec nous la liberté sur une terre qu'ils ne connaissaient pourtant pas. Le sacrifice de nos poilus nous oblige. Il nous rappelle que la paix a un prix et que nous devons être désormais unis avec ceux qui étaient hier nos adversaires, car ce n'est qu'avec le passé qu'on fait l'avenir, écrivait Anatole France. Ce souvenir, ce sont les jeunes générations qui doivent désormais s'en emparer, pour venir raviver la flamme de la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, pour notre liberté. C'est la reconnaissance que la nation doit à ses combattants, à ceux qui sont tombés et à ceux qui ont survécu, aux combattants d'hier et à ceux d'aujourd'hui, comme à leurs familles et ayants droit, la nation doit continuer d'assurer réparation, reconnaissance et droit, comme l'a voulu le président de la République. Cette année, nous honorons 2 soldats morts pour la France au Mali. Le maréchal des logis, chef Adrien Quélin, et le brigadier-chef Alexandrin Martin.
honorons leur sacrifice et celui de tous les soldats qui ont versé leur sang pour la France. Le monde était convaincu en 1918 que la Première Guerre mondiale devait être la dernière des dernières, la dernière des dernières. Nous savons ce qu'il advint de cet espoir et aujourd'hui, en ce 11 novembre 2022, alors que la guerre est de retour sur notre continent, n'oublions pas le combat des poilus pour la paix et le sacrifice de nos soldats morts pour la France. Vive la République et vive la France. Remise de décoration. Ouverture du banc. Monsieur le maire va procéder à la remise de la médaille de la Défense nationale, échelon bronze, à Monsieur Jean Audot avec agrafe, défense et essais nucléaires. Fermeture du banc. Intervention de Monsieur le maire. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués et des associations, mesdames et messieurs, chers amis. C'était il y a plus de 100 ans, et si nous ne l'avons pas vécu, nous ne l'avons pas oublié, la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. Pendant 4 années, de 1914 à 1918, les nations se sont déchirées, les hommes entretués, d'abord en guerre de mouvement, puis en guerre de position, quand le conflit se concentra durablement dans les tranchées de l'horreur. Jusqu'à l'armistice du 11 novembre 1918, où la France et l'Allemagne mirent fin aux hostilités et que la victoire des Alliés fut reconnue. La guerre ne sera officiellement terminée que l'année suivante avec le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919. Aujourd'hui, nous commémorons ce jour où les armes cessèrent enfin de tuer et les hommes de tomber. Dans le monde entier, impliqué dans le conflit, tant par l'existence des empires coloniaux que par le jeu des alliances entre pays, la guerre fit plus de 18 millions de morts, dont au moins 8 millions de civils. Des millions de veuves et d'orphelins, des millions d'invalides et de mutilés, jusqu'à la fin de leur jour, marqués à tout jamais par les traumatismes des combats. Le 11 novembre 1918 à 11h, effective du cessez-le-feu, les cloches carillonnèrent dans toutes les églises de France. Enfin, les hommes pouvaient quitter les tranchées, le froid, la boue et les obus. Les femmes retrouvaient leurs fils et leurs maris, qui avaient eu la grâce de survivre, ensemble, reconstruire une vie qui avait été anéantie pendant ces 6 longues années. Soldats tombés au combat, soldats de Terrasson notamment, où vous fûtes 160 combattants à donner votre vie. Nous n'avons pas oublié votre sacrifice. Ici, comme dans toute commune de France, quel que soit notre âge, quelle que soit notre origine, et même si, comme ici en Périgord, nous sommes à des centaines de kilomètres du front de l'Est, lieu emblématique de ce désastre guerrier, nul n'ignore parmi nous ce que vous avez enduré. Ce que nous avons peut-être oublié, ou qui n'a d'ailleurs pas été suffisamment enseigné, mais c'est encore aujourd'hui tellement complexe, ce sont les circonstances qui ont conduit la France à entrer en guerre, dans cette guerre totale, comme elle a été aussi appelée au regard de sa dimension territoriale inédite et de la puissance de son intensité. Ce que nous connaissons tous, y compris les plus jeunes,
c'est que tout a commencé à la suite de l'assassinat à Sarajevo, le 28 juin 1914, de l'héritier du trône de l'Empire austro-hongrois, François Ferdinand, et de son épouse, par un jeune nationaliste serbe. Comme on l'évoque souvent, cet événement servit de prétexte à l'Autriche-Hongrie. Pardon, excusez-moi. Pour déclarer la guerre au royaume de Serbie, afin d'éliminer son influence grandissante dans les Balkans. Ce qui offre à l'Allemagne, membre de la Triple Alliance, réunissant avec elle l'Autriche-Hongrie et l'Italie, l'opportunité de déclarer la guerre à la France, elle-même membre de la Triple Entente avec le Royaume-Uni et la Russie. Derrière cette déclaration de guerre allemande, il y a un dessein d'expansion économique, mais aussi impérialiste, dans les territoires coloniaux, alors sous influence majoritaire des Français et des Britanniques. Les Français partent, en tout cas, au combat, la fleur au fusil, selon l'expression consacrée. Parce que c'est l'occasion de prendre une revanche sur la défaite de Sedan de 1870, qui eut pour conséquence l'annexion de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine. Mais aussi parce que nous n'avons pas, à ce moment-là, de dirigeants politiques en capacité d'agir sur le terrain diplomatique. Notamment Jean Jaurès, fervent pacifiste, assassiné le 31 juillet 1914. Comment l'enchaînement de ces événements et de ces données politiques ne pourrait pas nous interpeller sur notre situation d'aujourd'hui? Nous connaissons actuellement, aux portes de l'Europe, depuis le 24 février dernier, un conflit guerrier d'une extrême gravité, qui a déjà des conséquences sur nos vies, avec l'augmentation des prix, notamment ceux de l'énergie, des produits agricoles, même si, bien sûr, tout n'est pas imputable à la guerre en Ukraine. Notre allié historique, la Russie, grand pays dont la culture nous éblouit depuis des siècles, nous fait très peur à nouveau, comme on pensait que cela ne serait plus jamais plus possible depuis la fin de l'ère soviétique. Pourrons-nous encore longtemps continuer à demeurer en seul soutien matériel d'un pays qui souffre, alors que nous craignons les armes nucléaires, ainsi que l'ensemble des dégâts que cause ce conflit sur l'équilibre mondial? Le contexte d'aujourd'hui est différent de 1914. Nous ne sommes plus quasiment, dans une géographie morcelée, propice au nationalisme meurtrier. Nous avons, entre autres, construit l'Europe, qui unifie nos territoires, nos valeurs de paix et d'humanisme. Mais hélas, demeurent encore dans le monde des desseins impérialistes, prêts pour ceux-ci à massacrer des vies d'innocents et les libertés fondamentales. Puissent nos dirigeants agir pour inspirer et défendre la paix. Puisse la mémoire de ceux que nous aurons aujourd'hui être respectée dans le sacrifice qu'ils ont fait de leur vie. Vive la République, vive la France, vive Terrasson-Lavilledieu. Je vous remercie.